Normalement, je devrais démarrer directement l'épisode, mais là, je vais vous parler de notre partenaire, Renault Fuego. Les mid-80s, c'est l'occasion de faire un point sur le marché arcade, puisque s'il est relativement mature, bien que toujours à chercher des innovations, il y a une chose qui s'est installée, c'est le parc des autres machines, celles qui sont chez les gens, les consoles, les micros, et c'est sur ce domaine-là que toute l'attention repose désormais. Au final, pour l'utilisateur, l'avantage est double, puisqu'il va avoir plusieurs marchés qui vont tirer en même temps tout ce domaine qu'est le jeu vidéo, pour son plus grand plaisir bien sûr. Vitrine technologique, l'arcade va se devoir de s'enlever les doigts comme on dit. Et en 87, on va découvrir une nouvelle flopée de machines assez terrible. Avec tous ces jeux tentant de donner une illusion de profondeur dans leur gameplay, on sentait que inexorablement la 3D était quelque chose qui devait arriver un jour sur l'écran. Xbox confirme cette tendance puisqu'il lâchera pour la première fois un personnage dans des vues 3D. Ça ressemble vaguement à du Pac-Man si on vulgarise mais vu de l'intérieur. Et le jeu vous laisse évoluer à peu près librement. Si ce n'est que vous parcourez les couloirs et qu'il faut une opération supplémentaire pour pivoter dès que il y a un angle. Malgré ce défaut, qui est lié aux contraintes de l'époque, le jeu demeure très jouable et ça reste un très très bon shooter 3D. Des ennemis, un chrono, un labyrinthe, des bonus, tout est posé pour que vous puissiez vous éclater de longues heures et dépensiez à peu près tout l'argent du foyer dans cette borne assez fabuleuse. Des insectes et de la collecte. Non, je parle pas d'apiculture. En 87, c'est assez tendance dans Gemini Wings, ce shmup qui va rassembler l'univers étrange des insectes avec celui des jeux de boulettes. Et le résultat sera assez marrant parce que vous avez un vaisseau qui est choupi comme tous les graphismes du jeu. Et pourtant le jeu est d'une méchanceté terrible. Pour vous aider à vous en sortir, vous aurez moyen de récupérer de nombreux bonus, qu'on verra d'ailleurs accrochés au vaisseau du joueur, que vous utiliserez les uns après les autres à la demande. L'objectif était bien entendu d'en collecter un max, puisque les boss étaient assez monstrueux dans ce titre-là, et ne pardonnaient que très peu les erreurs. Gemini Wings, c'est aussi une très jolie finition qui initiera la tendance pour fournir des décors variés et donner un effet d'aventure dans tous ces jeux de tir. We'll be right back.
1987 se confirme comme une année bien fournie en shmup, puisque l'arrivée de 1943 Battle of Midway ne fait que confirmer cette tendance. Programme, on retrouve cette guerre aérienne, ces bonus classiques et puis d'autres bonus qui viennent s'adjoindre pour un gameplay assez trépidant. Ce qu'on retiendra de 1943, en plus de ces patterns un peu vicieux, ce sont ces boss qui sont assez nombreux et pas tous évidents. En 87, l'apothéose arrivera avec R-Type, oui, qui viendra montrer que niveau shmup, on n'a pas fini d'envoyer du gros. Des boss monstrueux qui font jusqu'à plusieurs écrans, une véritable démonstration des capacités de la borne, puisque chaque niveau est totalement différent, avec des décors très remplis, et puis des patterns de bestioles qu'il faut apprendre rigoureusement si on espère pouvoir en voir le bout un jour. R-Type est vraiment le state of the art niveau arcade, puisque c'est un authentique bouffe-pièce. Il vous fournira de nombreuses parties pour mémoriser ces niveaux vicieux, et beaucoup de réflexes pour arriver à vous en sortir là où vous ne savez pas trop comment on passe. Salle d'arcade, on pouvait remarquer une borne un petit peu plus haute que les autres. Oui, elle avait un écran un petit peu plus grand qu'à l'habitude, et puis elle prenait un petit poil plus de place puisque dessus étaient disposés trois joysticks. On pouvait jouer à trois, comme dans Gauntlet, et pourtant c'était un jeu totalement différent. Un jeu qu'on n'a pas trouvé vraiment fréquemment en France, mais quand vous tombiez sur la borne, vous étiez bien content de l'essayer, ce xénophobe. On y retrouve les graphismes type comics qui ont fait le succès de Rampage, mais cette fois-ci ils sont mis en œuvre dans une version spatiale. Oui, vous avez des stations orbitales qui sont infectées de méchants aliens, très très laids et largement inspirés. Et votre objectif, ça va être de nettoyer ou d'activer le système d'autodestruction de la station pour pas que ça se propage. La raideur du jeu faisait partie du gameplay, c'était assez rigolo, vos personnages avaient des déplacements qui avaient une souplesse un petit peu archaïque parfois, mais justement ça donnait des pistes aux parties. Et puis par-dessus tout, ce qui était fun, c'était de jouer des coudes avec les collègues avec qui on jouait en même temps, parce que là le soft prenait toute sa saveur vu qu'on bossait en collaboration tous les trois dans la même station. Bien entendu, le nombre de bestioles était conséquent au nombre de joueurs et c'était pas évident de s'en sortir avec toutes les opérations qu'il fallait faire pour explorer la station, trouver les différents endroits où il fallait activer des choses et se rappeler comment fonctionnaient ces damnés élévateurs. La véritable claque New Arcade en 87 viendra de ce jeu, Afterburner. Afterburner, un Top Gun-like, oui, c'était tendance, le film était sorti il n'y a pas très longtemps. Et du coup, Sega derrière a vite saisi que mélanger ça avec du shooter, ça aurait tout son charme, surtout si on les est en 3D. Get ready.
et la 3D de Afterburner était agitée. Elle était même un petit peu trop agitée, puisqu'on a retrouvé quelques vomis à côté de certaines bornes. Mais l'aventure était géniale. On était réellement un pilote de chasseur et on dégommait tous ces méchants ennemis tout en essayant de trouver son chemin entre les missiles. Le jeu a bien entendu été décliné en différentes versions, la version standard et puis la version cabine, qui envoyait vraiment du steak. Sega, très content et très conscient du phénomène de succès de la borne, a sorti dans la même année le deuxième volume de Afterburner. Et quelle claque encore! Puisque là, outre les améliorations graphiques, un petit peu de souplesse dans le gameplay pour le rendre plus agréable à jouer et éviter les vomis à côté de la borne, c'était surtout la musique qui a marqué toute une génération. C'est l'année où l'arcade se rapproche de ses 20 ans. Moi aussi d'ailleurs. C'est la période où on vit plutôt des désillusions. Je vous ai parlé beaucoup de l'arcade, mais j'ai pas vraiment argumenté pour tout ce qui s'est développé à côté. Et il faut savoir que début 80, sont venus s'installer tranquillement à la maison différents appareils. Les micro-ordinateurs pour les plus fortunés ou les plus chanceux, ou les consoles pour ceux qui n'avaient pas envie de se prendre la tête avec des lignes de code. Du coup, 1988 signifie un petit peu le divorce pour l'univers du jeu vidéo qui se voit exploser en trois énormes morceaux, ces trois respectifs, console, micro et arcade. Ça fait partie des raisons qui ont fait que les salles d'arcade ont vu leur public commencer à diminuer. L'arcade pour autant n'a pas dit son dernier mot puisqu'elle reste la vitrine assez fantastique des capacités technologiques qui attendent les joueurs aux prochaines générations d'appareils. Ces démonstrations technologiques, l'arcade en fait quelques-unes mais sans prendre trop de risques. Oui, on sort les recettes qui marchent et du coup, c'est sans surprise que débarque en 1988 ce Ghouls and Ghosts. Oui, il y avait des gobelins avant. Le jeu reprend ses propres principes pour les porter beaucoup plus loin, avec de nombreuses phases de plateforme et des phases de combat beaucoup plus diversifiées, ne serait-ce que par la faune locale. Ghouls and Ghosts, c'est un véritable festival visuel, puisque on a l'impression que rien n'est pareil, tout se renouvelle non-stop. Et ça n'est pas sans rajouter la difficulté du niveau qui est particulièrement corsé et qui demandera vraiment timing, réflexe et patience. We'll be right back.
Un autre détail d'importance qu'il faut conserver à l'esprit pour caractériser ces années 1988, c'est la puissance des machines. On est dans une génération désormais qui a passé le cap du 8-16 bits et le maîtrise allègrement. Et nous sommes en direction de toute cette génération de processeurs 16-32 bits qui vont pouvoir permettre de grandes choses. Vous n'avez pas vu les guillemets avec les doigts, mais ils y sont. Dans tous les cas, ce n'est pas la vitesse qui caractérise ces machines, et c'est un gros problème. Puisque, pour les jeux, pour recréer des univers 3D, nous en sommes toujours à utiliser des astuces et faire de la fausse 3D. C'est dans ce contexte qu'arrive Winning Run, qui va un petit peu prendre de court tout le monde. Oh, regardez-moi ça, des polygones. Bon, ils sont découpés à la hache, ça c'est certain. Le décor, c'est pas ce qu'on fait de plus fourni. Et regardez, nom de Dieu, on est en 1988 et ça existe, quoi. C'est probablement avec Winning Run que l'arcade a découvert les limites entre le fun et la simulation. Oui, les deux ne vont pas très très bien ensemble. Et il a été délicat de faire apprécier le titre aux joueurs qui le trouvaient très difficile, le véhicule ayant tendance à se mettre en travers pour absolument tout et n'importe quoi. Mais au demeurant, c'est ce qu'on avait de plus réaliste comme course de voiture pour cette année-là. Et puis regardez-moi ce circuit de Monaco, on reconnaît bien, non? Ah non, c'est pas Monaco? Ok. La Renault Fuego est équipée d'un ordinateur de bord très sophistiqué. Monsieur K, je crois que c'est Michael qui fait du stop. Ouais, t'arrêtes pas, on s'en fout, il est trop con. Hey hey, attends, fais demi-tour, on va lui faire une blague. Tu repasses, mais tu t'arrêtes toujours pas. Très bien. Une belle leçon de gameplay apprise qui a fait entre autres le succès de cet autre titre, Case HKU. Le bonheur était total puisqu'on réunissait dans un même jeu la course et puis la baston, parce que l'aboutissement c'était de mettre hors service des fuyards en voiture. Okay, you're under arrest on suspicion of first-degree murder. Le jeu ne cachait pas ses inspirations avec sa 3D très Outrun et puis ses embranchements très Outrun et puis c'est... Oh, c'est un petit peu comme du Outrun, on va dire. Let's go, Mr. Driver. More, push it more.
Mais peu importe, le joueur y trouvait son compte et l'action était trépidante, menée par un chrono impitoyable. Condamné à être une vitrine technologique, l'univers arcade a toutefois laissé une très belle trace dans l'année 88, la série des Galaxy Force. Et pour cause, ça ne tournait pas sur n'importe quelle borne d'arcade. Oui, il y avait des machines dédiées Sega, mais il y avait également ces énormes meubles qui procuraient des sensations jusque-là inouïes. Regardez-moi, c'est la taille de cet écran. Vous voyez cette cabine? Oui, elle bouge, mais pas n'importe comment. 355 degrés exactement, horizontalement de gauche à droite, et 15 degrés sur le mouvement avant-arrière. Galaxy Force, c'était un beau bras d'honneur à ceux qui juraient par la 3D à venir. Oui, celle qui était toute vectorielle, toute moche, toute dégueulasse. Parce qu'avec des sprites, des effets de zoom, des effets de rotation câblés, on pouvait très bien faire de la fausse 3D qui avait une très bonne crédibilité. Demeurait un problème, quel prix pour faire tourner tout ça? Oui, parce que si pour l'exploit technologique, il fallait utiliser des machines qui coûtaient des milliers d'euros, ça deviendrait bien compliqué d'en faire des adaptations pour le home entertainment. Et de cette fierté arcade a commencé à naître une réflexion. Oui, comment faire des titres qui sera à la fois très jouable sur leur machine d'origine et pourrait tourner de manière convenable sur toutes les autres machines du parc existant. En 1989, l'arcade se bat pour sa survie, et elle ne doit cette survie qu'à une seule chose, une seule et unique, son avance technologique. Oui, c'est cette toute petite avance technologique qui, au fil des années, va se faire grignoter, qui lui permet de se maintenir la tête hors de l'eau et présenter des jeux en avant-première qui ont des effets qu'on verra bien plus tard en général sur toutes les machines, que ce soit micro ou console. Et au milieu des bornes battant des coudes pour montrer leurs attraits technologiques, on retrouve quand même des jeux qui ont tout compris de l'esprit arcade sans pour autant sortir la trousse à maquillage. Oui, Pong par exemple en fait partie. Un bonhomme, un harpon qu'on peut tirer verticalement, des billes et des ennemis et des bonus. Pas besoin de plus compliqué. Pong, c'était vraiment le vice incarné, puisque dans un gameplay très très simple, il réussissait à fournir une tension, une intensité rarement vue. De
De surcroît, à la micro-gestion d'ennemis qui enveloppait tout ça, il fallait rajouter une quantité de tableaux assez incroyable qui faisait que pour en voir le bout, il fallait tenir une demi-heure dans ce jeu. Cette même année 1988, Sega a réalisé un véritable tour de force. Oui, réconcilier les joueurs jeux de rôle avec les jeux d'action. Pensez-vous, muni d'un gros dard, vous allez pourfendre l'ennemi au travers de tableaux nombreux. On ne fait pas son périple qu'à pied, c'est tellement old school. On peut chevaucher ici des dragons, des montures, des tas de bestioles méchantes qui vous donneront des pouvoirs temporaires pour mieux tataner la gueule de l'ennemi. Il y aura une partie rôle avec cette gestion d'inventaire ultra poussée, comment ça j'exagère. Mais non, regardez, il y a un inventaire, on se fait voler des trucs par un nain. En tout cas, ce Golden Axe sera une réussite parfaite et un hit incontournable de l'année, ça c'est certain. En 1988, les éditeurs de jeux vidéo en place sont très conscients du phénomène arcade et home entertainment qui doivent cohabiter. Et c'est pour ça que tous les jeux en fait ne reposent pas exclusivement sur des attraits technologiques. Et bien souvent, on retrouve un gameplay qui sera plutôt simple à adapter sur des machines beaucoup moins puissantes. C'est dans ces conditions que débarque Toki, un jeu magnifique, très garni, très rempli, de la plateforme à l'excellence, et surtout un logiciel qui demandera pas trop d'efforts pour être converti sur des machines de moindre puissance. L'aventure dans Toki est grandiose parce qu'elle est longue et variée. Elle est aussi très vacharde, avouons-le. Le jeu ne pardonne rien, mais absolument rien. Il vous faudra une mémorisation impeccable pour pouvoir espérer en voir le bout, tant chaque nouveau pas dans un tableau est un danger potentiel. Pour autant, l'aventure reste assez géniale puisqu'avec un simple singe prétendu faire rire, on vit une aventure totale et complètement dépaysante. Tais-toi le chien, j'enregistre là. Quoi, c'est un loup? Ah ouais, mais il faut pas rentrer dans le studio avec ça. Qu'est-ce que vous faites habillé en ninja, monsieur? 1988 toujours, et dans le jeu vidéo, il fallait bien que les ninjas reviennent mettre les papattes. Oui, un univers sans ninja, c'est comme un univers sans univers, quoi. C'est pas possible.
Shadow Dancer est la réponse, et il nous présente un espèce de précurseur de run and gun fort aguichant. Les décors sont très fouillés, très variés, et au lieu que ça démarre, on a l'impression d'être Bruce Willis en ninja dans un aérodrome. Les coups sont plutôt sympas, puisqu'on peut pas seulement jouer offensif, mais également jouer un petit peu la défense et même envoyer son... Chut, c'est un loup, vous êtes sûr? Mais il est petit quand même. Il grandira peut-être. Et on peut donc envoyer son loup en éclaireur pour qu'il se fasse massacrer à notre place, voire même qu'il neutralise des ennemis, ou au moins les débusque. Un gameplay intelligent qui fait que le jeu est toujours aussi agréable à jouer même aujourd'hui, c'est assez dingue.